C'est quoi cette musique complètement ouf, cette musique magnifique, cette musique toujours extraite de la BO de Hotline Miami 2 Wrong Number. Bienvenue à tous, bienvenue sur le stream, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, j'espère que vous êtes bien remis de l'émission d'hier soir, une super émission. Encore une fois, je vous remercie tous et toutes pour votre participation. On a bien débattu, on a bien revu l'actu de la semaine et c'était vraiment super sympa. Ceci dit, là on a un autre truc à faire maintenant, c'est comme tous les jours à la même heure, entre 9 et 10, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, le stream Before Work. On va recommencer dans un instant, on va continuer les aventures de Batman, puisque je rattrape légèrement mon retard. On est ensemble donc sur Arkham City, la version GOTY qui est disponible sur Steam. Et en parlant de Steam, je vous l'ai promis hier soir dans l'émission, hier soir il y a eu un concours, et donc ça va être l'heure du dépouillement, ça va être l'heure du résultat. Alors si vous êtes là en direct, tant mieux. Si vous n'êtes pas là en direct, il restera toujours la possibilité de regarder le replay. Il va y avoir un petit cérémonial pour ça. Alors je tiens à signaler le concours. En fait, j'avais précisé hier soir, je vous avais demandé, j'avais dit soyez cool si vous possédez déjà le jeu ou si vous n'avez pas de PC. Abstenez-vous de participer, comme ça vous laissez plus de chance aux autres. Donc du coup, ça va pas être compliqué. Il y a eu une participation. Il y a eu une participation. Donc voilà, une personne qui a pas encore fait le jeu. Et donc du coup, ça me fait encore plus plaisir de lui offrir ce jeu. South Park, le bâton de la vérité. Donc dans sa version Steam. C'est un super jeu. C'est un putain de super jeu de rôle d'Obsidian. Où on retrouve vraiment tout l'humour pipi caca qui a fait le bonheur de la série. Et donc voilà, je vais pas faire traîner le truc 300 ans, parce qu'on a un jeu à faire ce matin. Je vais juste faire un petit cérémonial. J'ai préparé le truc, le mec est content comme un gosse. Fou comme un gamin. Et en plus, j'ai la musique qui va bien. Ambiance. Donc, j'ai dans ma main le bulletin d'un aventurier qui va repartir avec le jeu South Park, The Stick of the Truth. Ça se dit comme ça. Une personne a participé. Donc je pense qu'à ce stade du jeu, la personne sait déjà, elle s'est déjà reconnue. Mais je vais le faire façon Dieu. Il se trouve là. Oh, guili guili guili, Denis. Le grand gagnant est... Letix. Letix, bravo à toi, bravo pour ce cadeau. South Park, The Stick of Truth, qui va débarquer chez toi, on se contacte hors ligne. Tu me laisses ton pseudo Steam, et le jeu va arriver directement sur ton PC. C'est magnifique, c'est super beau, c'est super bien fait. Coupons cette musique. Yeah, coupons cette musique, et du coup, passons directement dans le vif du sujet. Batman Arkham City. Prise de pad. Et commençons les réjouissances. C'était n'importe quoi cette mise en scène, je sais. C'était n'importe quoi. Letix qui en plus n'est pas, si je ne m'abuse, qui n'est pas parmi nous ce matin. Non, Letix, tu n'es pas là. Donc tu trouveras la bonne nouvelle probablement sur Twitter. Je vais essayer de te contacter via Twitter. Donc on en était hier quand c'est quitté, il fallait que je retrouve le Joker. Et vu que mon sens de l'orientation fait toujours des ravages, forcément j'ai galéré. Non, non, là on est bien là. Là logiquement il y a une map qui est censée m'aider. Ouais, le Joker il se trouve juste là. Juste là en haut. Comment tu es sorti là, de la chambre de fusion, Batman? Tu as construit quoi? Réponds! Ta gueule! Reviens ici! Je crois que je vais mourir! Beaucoup trop long, espèce de chauve pourri! Et merde! Et merde. Je me rappelle plus, je crois que je dois faire sauter la porte, hein, c'est ça. Mode détection. Nah, la turbine. Charge électrique à distance. Ah, ça y est. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi, Batman? Tu t'introduis comme ça chez monsieur. Oh putain. Je l'avais pas vu venir lui. Il est malin. Boss fight dans ta face. Je te présente monsieur Marco. Il va t'apprendre les bonnes manières. Tu vas mourir, Batman.
rien de te cacher, bateau. Mes gars finiront par te trouver et ils te feront racler de ta vie. Tu peux creuser ta tombe. Dégage, dégage avec ton marteau. La touche d'esquive. J'ai complètement zappé, je sais plus du tout. Trouve la touche d'esquive. Ouais, c'est ça. Oh, monsieur marteau. Dans ta gueule. Ah, si. Si. Salut, Grazl. Bienvenue sur le stream. Ah, ben voilà. Quoi, ben voilà. Écarte-toi de mon chemin, Queen. T'as vu... T'as vu là, ce Actor Studio sur le coup, là. Le dépouillage, le bulletin de vote. Je vais être seule avec lui, laisse-moi. J'ai dit du vent. Dégage. Dégage. Ça, c'est ta faute. Tu l'as harcelé pendant des années. Tu l'as passé à tabac. Et pourquoi? Pourquoi es-tu si méchant? Mais pourquoi? J'ai du son. Surprise. J'espère bien que t'as du son. Tu es tombé dans le bon vieux traquenard du Joker, Batman. Batman. Oh putain. Oh putain. Heureusement qu'il a son armure de la muerte, Batman. Ça fait mal quand même, je pense. On dirait que le détective va être occupé avec le Joker un moment. Cool. J'ai pas compris l'histoire du son, t'avais pas de son jusqu'à présent. Danser. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'aide le beau brin ténébreux ou j'embarque tout le butin? T'es que pas en train de me dire j'ai oublié d'allumer mon micro et que je parle depuis 10 minutes dans le vide. Je sais, c'est un vrai dilemme. Ah bon? Alors je fais quoi? Alors pourtant ça fonctionnait sur Neverwinter. Faire un trou dans le coffre. Mais bon, je comme d'habitude, c'est Twitch. Au pingouin. Twitch non, fait n'importe quoi. C'est vraiment pas mon genre. Faut bien le dire, faut être honnête. Féminine dans ces situations-là. Ne bouge surtout pas, Ivy. Je viens te chercher. Ivy. Ah, je joue. Je dois récupérer mon kit dans mon repère. Par impossible. Marqué. Niveau supérieur. Qu'est-ce que je. Armure balistique, armure de combat. Allez, armure balistique. Armure au niveau de protection contre les armes à feu. Je prends. C'est pas de le casque, oui, forcément. Oh, pour une fois, faire sans elle. J'ai accusé alors Twitch à tort, autant pour moi. Putain, elle bondit bien, Catwoman. Agile et tout. Le jeu, il a combien maintenant? 3-4 ans, il y a quand même toujours des putains de détails, des putains d'effets de lumière en particulier. On n'était pas encore sur la particule à mort à cette époque-là. Parler d'époque pour un jeu qui a 4 ans. Et 4 ans, voilà, dans le domaine du jeu vidéo, c'est une éternité aussi. Elle vivait quelque part par ici. Et alors, comment il le sait? Comment je suis censé savoir? Je fais qu'écouter le patron et tu devrais faire pareil. Ah putain, pourquoi mon objectif change sans arrêt? Arkham City, c'est un de mes jeux préférés. Oh, je sais pas, peut-être parce que Catwoman l'a suspendu au-dessus d'une cuve d'acide. Homme de goût. Vraiment? Ouais. Il avait réussi à la capturer, mais cette garce a réussi à se libérer. Sérieusement? Comment j'ai raté tout ça? Peut-être parce... Oh. Et merde. Je suis pas concentré, là. Je vais absolument faire le coup du fouet. Oh, y'a un petit chat. Oh. Avant, quand ils annoncent que Arkham Knight sera 4 fois plus grand, pourquoi pas? Quand tu vois déjà à l'époque, juste sur PS2, le terrain de jeu qu'ils avaient réussi
à faire sur... Prisonnier d'un gardien, vous avez renoncé à vos droits fondamentaux d'être humain en commettant des crimes contre la société. La ville de Gotham est plus sûre. Ouais, faut que je finisse mes phrases. Le terrain de jeu qu'ils avaient fait sur San Andreas à l'époque, c'était assez impressionnant. Merde. Putain. Allez, entrez dans l'appartement. C'est bon d'être chez soi. Hop là, Catwoman! Pourquoi il est déjà ressorti? Un dispositif antipersonnel utilisé pour placer des pièges à l'insu des ennemis. S'ils marchent sur les choses trappes, les ennemis tomberont au sol. Alors des bolas. Je ne comprends pas ce qu'il fout avec ces boules de geisha. Mais bon. Très bien, Selina. Tu dois trouver Ivy. J'espère qu'elle m'a pardonné. Oh, je pense que oui. Il n'y a pas de raison. Entrer dans le repère de Poison Ivy. Pourquoi tu t'es pas accroché? Merci. Ah. Non, manifestement, je peux pas passer par là, je vais être obligé de tout contourner. J'aime beaucoup la grâce avec laquelle elle se laisse tomber. Au moins nous nourrir. Ah bah oui, on voit bien que c'est le refuge de Poison Ivy. Catwoman ! Merde ! Repéré comme une merde. Oh ! Ce coup de barre de... La barre de fer dans la gueule. Et merde. C'est de classe. Salut Luffy, bienvenue sur le stream. Merci toi aussi d'être matinal. Oh, ça fait plaisir. Dégage. Bon. Pourquoi je peux pas m'accrocher? C'est juste en face de moi, sans déconner. Poison Ivy, me voilà. Il a l'air mal en point, lui. Ah ! Tu es mort. Ou pas. C'est... Here we go. Deux jeux que j'attends, The Witcher 3 et Batman. Alors moi, le prochain que j'attends, c'est... Je l'ai déjà dit, c'est Just Cause 3. Manifestement, c'est pas par là que je rentre. Il doit y avoir une ouverture plus bas ou plus haut. Par ici ! Ah ! Oh putain ! T'as un flingue. Par ici ! Boum ! T'es mort. Le mur d'enceinte d'Arkham City est surveillé par des gardes Tiger. N'approchez pas du mur. Toute désobéissance sera sévèrement punie. Sévèrement. Ouais, par là en dessous. Ah, il y a un crochet! Ah, le trophée. Ouais, j'ai fini Bloodborne.
Alors j'ai pas fait les donjons du calice à fond parce qu'il me casse vraiment 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 les couilles, mais j'ai eu les trois fins. Donc voilà, il m'a fallu un peu plus d'une semaine pour le finir. À raison de 6-7 heures par jour. Ce qui laisse quand même beaucoup. Oui, Ivy. Tu es là ? Pas dû venir ici. Ce qui laisse une bonne durée de vie, pour dire ce qui est. Ivy. Oh, allez, tu n'as quand même pas l'intention de m'en vouloir éternellement, pas vrai ? Tu les as toutes tuées. C'était juste des fleurs, Ivy. C'était pour déconner. Je t'en achèterai de nouvelles. Je connais un endroit où... C'est pas là que j'avais abandonné ma partie sur PS3, j'avais été victime d'un bug en fait, j'étais tombé dans une pièce d'où il n'y avait plus moyen de sortir. C'était plus tard, c'était au niveau de Mr. Freeze il me semble. Ils m'ont l'air mal, très mal en point. J'ai une idée. Si tu veux un petit ami, pourquoi tu sais pas te sortir un peu? Ce serait mieux pour vous. J'adore quand même le côté vif des combats. C'est vraiment, c'est simple, c'est tout con, c'est grosso modo c'est du button mashing, une touche pour l'attaque, une touche pour le contre. Mais voilà, c'est bien réalisé, c'est bien maîtrisé, c'est nerveux. T'as fini, Pam ? Ah merde, mais merde ! Tintin, 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 tintin. Sérieusement, tu espères pouvoir battre. Non, c'était pas dans Origins, c'était dans celui-là. Après, c'est peut-être. Je suis peut-être le seul à avoir eu le bug. Mais j'étais dans une pièce, donc j'ai appuyé ce qu'il fallait faire. Grosso modo, il fallait friser un truc pour faire sauter un disjoncteur ou un. Enfin bref, je faisais tout. Et y'a rien qui s'ouvrait, y'a rien qui se passait. J'ai eu beau relancer ma sauvegarde 20 000 fois. Donc du coup, j'avais abandonné le jeu à ce niveau-là sur PS3. Donc j'espère que le bug, je vais pas l'avoir sur PC. Et je vais pouvoir finir celui-là. Alors Origins, pour moi il est plus facultatif parce qu'il fait pas partie de la trilogie de Rocksteady. Mais si j'ai le temps, je le ferai quand même. Tu as terminé, Ivy ? Je veux juste discuter, c'est tout. Si tu respires encore, ce n'est pas terminé. Elle est vraiment bornée, je dois le reconnaître. Un million de micro-organismes. Temps d'attente pour une semaine de jeu est rangé. Pour Bloodborne, ouais, mais en même temps je l'ai rincé à mort, après je dis pas qu'il est rangé définitivement, je vais forcément... Je vais mettre sur le New Game Plus. Mais pour l'instant, voilà. Je vais essayer de pas faire une overdose non plus. J'essaie maintenant quand même de finir des jeux que j'ai pas eu l'occasion de finir. Histoire de rattraper mon retard. Ah, ça fait mal. Écoute, Pam, j'ai juste besoin de ton aide. Pam. Pam. Pas encore. Ah non, j'ai pas dit... voilà, j'ai dit que pour moi, si j'avais pas le temps de le faire, c'était pas extrêmement grave, parce que c'est pas un jeu de Rocksteady, et qui ne s'inscrit pas dans la trilogie. J'ai pas dit que c'était un mauvais jeu, grâce là. Loin de moi, cette idée. Très loin de moi, cette idée. Je t'assure. L'art de faire des plans très Dead or Alive. Je veux savoir qui il est, Poussin. Poussin. Le monde a sa part de mystère, ma chère. Pourquoi vouloir tout gâcher? Poussin. Tout n'était qu'un mensonge. Tu n'es absolument pas malade. Ça me va droit au cœur. Mais tu es bien placé pour savoir que... Je trouve que les doublages français sont bien foutus comme dans le jeu. Par rapport à d'habitude. En mon sang, par exemple. Je ne demande que ça. Ce truc est en train de me tuer. Pourquoi je m'en soucierais? Parce que maintenant, il y a une infime partie de moi en toi aussi, Batman. Non. Je sais pas te faire croire que tu ne l'as jamais voulu. Écoute, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai besoin de toi. J'ai failli avoir... Dans ce jeu-là, le Joker, c'est limite si c'est devenu un zombie. Au final, on me l'a honteusement volé. Alors, on va mourir tous les deux. Ça ne me dérange pas. Vraiment ? Moi, je sais pas, pour ce jeu-là, je pense que ça doit taper dans les 20 heures de durée de vie. Ça fait déjà 20 heures de bloqué, 20 heures sur Arkham Origins. La semaine prochaine, c'est Mortal Kombat 10. Dans les services d'urgence des 4
Alors c'est ça le protocole 10. Empoisonner Gotham. Le faire, sinon je te trouve et je te force à y jouer. Je le ferai. Jamais entendu parler. Mais je ne me forcerai jamais. Si j'aime pas, je le ferai pas. Mais a priori, il est quand même du même tonneau. Voilà, c'est pas un ratage. Il reste quand même dans l'esprit des autres. J'écoute. On a le moral dans les chaussettes, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, Batou, souris un peu. Ça ne va pas te tuer. Oups! Où est l'antidote? Qui l'a pris? J'ai demandé au glacial Mr. Freeze de le fabriquer. Voilà. C'est un peu plus loin, je pense, j'ai dû lâcher le truc. Je parie que... À tous les coups. Alfred, le Joker m'a empoisonné. Il a peut-être aussi empoisonné Gotham. Mr. Freeze est le seul remède. Mais alors, qu'attendez-vous? Il est à Arkham City. Trouvez-le. Si seulement c'était si simple. Il doit être à un endroit froid. Il lui faut des températures négatives pour rester en vie. Il est donc déjà pas dans ton cul. Mais on est au beau milieu de l'hiver, là-bas. J'ai remarqué. J'ai calibré le masque pour qu'il repère la chaleur. Je vais trouver le point. Ah, c'est con, j'avais un accessoire pour le tirage au sort, j'ai complètement oublié de le mettre. Ah oui, c'était relou, c'est relou ce genre de truc. Non, il va pas tenir. Salut DJ, bienvenue à toi sur le stream, matinalement mais sûrement. Le labo de Freeze doit sûrement être par là. Je me dirige clairement vers le point le plus froid. Ah oui, clairement. Pourquoi n'y ai pas pensé plutôt? Une ligne directe pour appeler mon meilleur ami préféré. Réfléchis, je peux t'appeler dès que je m'ennuie. Je crois que notre relation commence à évoluer à cette cadence. On va bientôt échanger des mails ou se faire des dîners ou chandelles. Et blablabla. Oh. Moi, je vous le dis, c'est la vérité. Le Joker est mourant. C'est notre dernière chance de montrer à tous les autres tarés de Stroke qui est le vrai patron Arkham City. Ouais, je suis prêt à aller brûler le cul des gars. Le bâtiment du GCPD. Freeze doit avoir réaménagé un des vieux laboratoires. Il faut que j'entre là-dedans. Mm-hmm. Si je me souviens bien, il faut descendre. La porte. Ah, elle est bloquée. C'est par la mer, si je me souviens bien. Encore d'entrer. Je leur explose la tronche s'ils essaient de sortir. Et après, on fait quoi? Juste à côté. On attrape Freeze et on le ramène au Joker. Magnifique. Pas mal. Non, j'en ai plus. Depuis que c'est la guerre entre le Joker et le Pingouin, c'est de plus en plus dur d'avoir ce qu'on veut. Tu m'étonnes, mon pote. Les gars du Pingouin en ont peut-être sur eux. On verra bien une fois qu'on les aura tous tués. Je l'ai fini, ce Batman, que j'adore d'ailleurs. Bah, j'aime beaucoup aussi. J'ai l'explosif. Ah, je vais pas pouvoir... Et merde, hein. Oh, le mur d'enceinte d'Arkham City est surveillé par des gardes Tiger. Peut-être par là. N'approchez pas du mur. Toute désobéissance sera sévèrement. Non. Viens par ici. Par ici. Il est repéré. Il est par là. Go. Il a utilisé de la fumée pour s'enfuir. Par où dois-je aller? C'est là que je me souviens jamais. Je te trouverai.
Mais où est-ce que tu te caches? Dans ton cul! Merde. Stop! Putain, casse pas les couilles. Il utilise de la fumée. Bah con le Batman. Ah. Te voilà Batman. Viens par ici. J'ai trouvé Batman. Tac, dégage. Ah. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, ta gueule. La double face, il est vraiment très bien rendu dans ce jeu. Par contre, du coup, je recherche l'entrée. Je me rappelle plus par où on entre là-dedans. Il me semble que c'était quelque part par la mer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, j'aime bien Harley Quinn. Ils l'ont bien foutu, je trouve, dans la série. Putain. Je suis quasiment sûr que c'est par là, mais je peux me tromper. Prisonnier d'Arkham City, vous avez renoncé à vos droits notamment de l'être humain. Salut Octorok, bienvenue sur le stream, mon ami. La ville de Gotham est un sûr sang. Vous êtes responsable de votre survie à l'intérieur de ce complexe. Je me souviens plus. Tu dois activer un petit générateur, sans doute, mais je me souviens plus où il est. C'est ça, tout à fait, voilà. C'est pas encore à ce stade-ci que je passe par la mer, t'as raison. Autant pour moi. Faut que je retrouve ce générateur, cette porte. Tiens, par là! Non, l'émission téléphonique, je m'en fous pour l'instant. Par ici. Yes. Et merde! Hop là, ça c'est fait. Bonsoir, bonsoir! Merci Grazle. Non! Il y a tellement de touches différentes dans ce jeu.
C'est de classe, ce petit coup. Ah, t'as de bons souvenirs, Graz. Contrairement à moi. Trophée de le mystère, ça s'est fait. À deux Francis. non, c'est... J'ai pas fait ça juste pour récupérer le truc de l'homme... Si je pirate cette radio, je pourrais écouter toutes les communications du pingouin. Ouais, c'est du recyclage. H, c'est moi. Écoutez-moi bien, le patron veut qu'on garde cet endroit. Pas d'entrée, pas de sortie. Si on voit un gars du Joker, on le bute. Ouais. La chauve-souris. On la bute aussi. Facile à aller. Et facile à faire. Donc ça va pas s'ouvrir, ok, on est d'accord. Hier c'était jeudi, ouais, Grazla. Le débat c'était le poids des jeux. Il est dispo, il est en train d'uploader en ce moment même, au moment où on se parle. Et il sera dispo ensuite sur, sur YouTube. Qu'est-ce que Freeze fait ici, au fait ? Aucune idée. C'est juste que le pingouin veut. Moi, ça me saoule. Je peux aller nulle part, manifestement. On le trouve pas ! Y'a rien ici ! Oui, demain c'est samedi. Arrêtez-moi si je me trompe. Vous êtes en train de me dire que vous êtes tous incompétents au point que je dois... On peut rien te cacher, hein. Cette DVD, ça commence à peser. Et du coup, on a parlé, voilà, de, du poids des jeux, et sur PC, et sur console. Et les pauvres disques durs 500 gigas qu'on a sur nos consoles en particulier. Il paraît que Batman vient vous voir. Bonne chance. Ah si, j'avais déjà fait. C'était après cette scène-là. Ouais, ça, j'avais déjà fait. Cinq armées, ok, il y a que des ennemis armés, la classe. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Nahaha. Ah, de Francisou, ouais, mais c'était pas... Il essaie de se planquer. Ah, j'essaye pas, j'y suis arrivé. Essayez de le distraire. Mais qu'est-ce que tu fiches ? J'ai bloqué tous les accès au GCPD. Il ne pourra pas aller bien loin. Quoi ? Pingouin surveille son équipe grâce à des moniteurs cardiaques. À chaque ennemi éliminé, il sera averti. Je dois agir rapidement. Hop là ! Ils te disent dépêchez-vous de télécharger les 80 gigas de jeu. Ça se déplace, ça s'est envolé. Ça se déplace, alors ça déjà c'est Batman, connard. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ah. Regarde-moi, je lâche mon arme, pas besoin de me frapper. Dis-moi où il est. Il est dans le musée, le pingouin le tient. Je vais être obligé de t'arracher la langue, gamin. Ah, 80 gigas, franchement, ça commence à peser. Non, même 65, c'est pareil, ça commence vraiment à peser. Il m'a forcé à parler. Je suis bien à l'abri dans mon musée. Bien dans mon musée. J'ai préparé plein de surprises pour toi si jamais tu viens. Et ça commence maintenant. Ça veut dire qu'il y en a qui vaille. Oh,
Niveau supérieur. Attaque contre choc. C'est bon ça. Je prends. Ah non, mais la vanne n'était pas faite exprès. Ah ! Je peux pas aller par là. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Si, c'est ça que je voulais faire en fait. La carte. J'ai deux sorties. Alfred. Bonjour, Fred. Monsieur. Avez-vous pu prendre l'antidote à Mr. Freeze? Il y a eu des complications. Le pingouin a mis la main sur Freeze et il m'a enfermé dans le bâtiment du GCPD. Vous êtes conscient que vous êtes sûr de mourir si vous ne récupérez pas vite l'antidote? Merci de me le rappeler, Alfred. Sans déconner! Je suis dans un bâtiment de la police. Cobblepot a de toute évidence payé des huiles pour obtenir les codes des bâtiments municipaux. C'est peut-être cette pièce-là, il me semble que j'arrivais pas à sortir. Les codes d'ouverture en ce moment. Ouais, c'est ça. J'ai suivi les câbles. Ah, il y a peut-être d'autres à ouvrir de quoi tiens en fait. Tu fumes alors que t'as pas encore bu ton café. Putain, les deux vont te perdre pourtant. Tu devrais le savoir. Non, ça c'est fait. Ah putain! Ne sois pas si dur avec toi. Je sais pas s'il fallait que je sorte. Oh! Voilà, j'avais dit que ça marcherait. On fait sauter les ponts et on divise les forces du clown. Facile. Hey, monsieur Cobblepot, on est coincé aussi. Et alors? On peut pas revenir. C'est vrai, et alors? Avec les gars du Joker. Essaie d'en tuer quelques-uns avant de mourir. Quel salopard. Ah, donc là j'ai dépassé le point le plus loin où j'étais allé sur PS3. On a un visuel sur l'explosion. L'analyse thermique montre plusieurs points de détonation. Terminé. Bien reçu à T3. Il semble que Monsieur Cobblepot soit passé à l'action. Laissez-le faire. Il sera intéressant d'observer les événements avant la... Putain, DJ, on se passera des détails, je te remercie. Surtout que techniquement, en même temps, c'est quand même compliqué. Terminé. J'ai pas compris pourquoi tu voulais absolument te suspendre, alors que moi, je voulais juste monter sur le bâtiment. Sur le territoire du Joker. Je t'avais dit de pas rejoindre le pingouin. Si ça peut te faire plaisir, je crois que t'avais raison. Fais la chauve. Ah non, je voulais les prendre par surprise. Bam, on sent ta gueule. Je m'en fous des missions secondaires. Mais vraiment. J'aime pas ce bruit. Ouais, ça ressemble à une bombe. J'ai l'impression que quelqu'un essaie de couper l'accès. C'est dans celui-là ou dans le Origins qu'il y a... Enfin, je vais pas spoiler parce qu'apparemment vous connaissez tous les deux le jeu, mais la scène de la mort des parents. Il me semble qu'il y a l'un des jeux où t'as la...
la scène de la mort des parents de Bruce Wayne. Le pingouin renforce la sécurité. Ce musée ressemble déjà à une forteresse. Le protocole 10 prendra effet dans 7 heures. C'est drôle ça. Oui, il va venir. Il va tellement venir qu'il est déjà là. Assassin's Creed. Tu crois? C'est clair. On a des armes militaires. On a un équipement sophistiqué qui peut arrêter n'importe quelle armée. Et on a un sacré mec qui va s'assurer qu'on gagne. Ah, apparemment, c'est là que je dois aller. Tac, tac, tac. Oh, c'est une classe à Dallas. Ah, prends ça dans ta gueule. Pac. Ah ouais, j'ai trop peur. Batman repéré. Fossile. Oh, le mot de passe. Batman localisé. Ah, je sais pas, mais je veux bien être spoil là. J'ai rien compris. Morceau pour être entré ici. Garantir la sécurité de cet endroit et de protéger notre communauté. N'oubliez pas, bon, j'ai pas très bien saisi le concept de contrer la lame. Donc je vais faire ça à l'ancienne. Why don't you die, motherfucker? Ok. Ah putain, quand ils ont un gadget, ils te le ressortent à toutes les sauces. Ah merde. Quelque chose bloque la communication avec la Batcave. Le mec il parle mais les lèvres elles bougent pas. Communication militaire. Je pense qu'il doit parler dans sa tête. Sécurité, c'est de les détruire. Ah non mais j'en sais rien, je pourrais pas te spoiler, j'en ai aucune idée moi-même. Mais il me semble que voilà, sur l'un des trois jeux, tu as cette scène là. Moi je confonds avec la trilogie de Christopher Nolan. Ce qui est possible. Je ne passerai jamais la sécurité. Si, si je devrais ressortir et me mettre à la recherche des brouilleurs du pingouin. Oh non ! C'est rébarbatif. C'est rébarbatif. Mes clopes. Je vous l'ai dit. Ils me les ont prises. J'ai essayé mais c'était trop nombreux. Comment fonctionne ce machin, Bagado ? Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le pingouin va se prendre activé. Non, je m'éloigne. Personne dans ce trou ne peut utiliser d'engin émetteur dans Gotham. Alors c'est pour ça que mon portable marche plus. Ouais, crétin, c'est pour ça que ton portable marche plus. T'as écouté le briefing ou quoi? Non, je m'éloigne. Tu m'étonnes, écoute, je t'explique. Si quelqu'un touche à cette tour, ça va nous retomber dessus. Monsieur Cobblepot supporte pas que ses employés le déçoivent. Il est là. C'est Batman. Oh, fais chier. Moi qui pensais être discret. Raté! Non mais ça fait ça, DJ il a pas fini sa clope donc il est un peu il est un peu compliqué à comprendre ce matin on va dire. Eh!
Kung Fu Panda. Putain, Batman, il fait pas les choses à moitié. Vas-y, Batman, désactive le brouilleur. Ouais. Dispose de 3 terminaux. Je fous mon point de temps. Je vais devoir tous les détruire pour le désactiver. Heureusement que les 3 terminaux sont au même endroit. Eh ouais. Utilisation en système de combat à la Batman à la place du leurre. Putain, tu rêves. Dois trouver les autres. Ah bah oui, ce serait pas marrant s'il n'y avait pas d'autres. Un des signaux du brouilleur a disparu. Désolé, monsieur Cobblepot, j'en sais rien. Alors va voir. Et pendant ce temps-là, veille à ce que l'autre brouilleur soit en sécurité. Si tu veux pas que je vienne te trouver et te fourrer ce qu'il en reste. Il y a un sang du manga dans ma ville. Putain, cosplay. T'es au taquet. Non! J'ai horreur de ce genre de mission dans les jeux, suivre un signal à la con. Qu'est-ce qu'il y a ? On a peur de se battre ? C'est Batman ! Sans blague ! T'as cru que c'était qui, connard ? T'as cru que c'était Rico ? Tiens, brouilleur. Ça marche ? Selon le journal, toutes les fréquences sont en train d'être sur. Putain, ils sont relous quand ils s'y mettent à plusieurs. C'est bien foutu comme le truc densité de fumée, c'est pas mal fait. Un genre de fumée. Ah putain, un autre. Ouh, la caméra. J'ai jamais compris comment le pingouin peut avoir autant d'influence avec un physique aussi ridicule. C'est pas le physique qui compte, c'est la méchanceté et la badassitude. Ça y est, c'est fini. Batman ou il a dû trafiquer les brouilleurs là. Ou il va me dire qu'il y en a encore un autre. Où, bande de crétins ? On vient juste de réussir à passer sous terre. Bon, placez-le où vous êtes alors. On va sûrement vous rejoindre bientôt. C'est compris ? Bien sûr, monsieur Cobblepot. J'arrive ! Le signal est encore bloqué. Oh putain ! Que le dernier brouilleur du pingouin a été activé quelque part sous Arkham City. Alors, bonne direction. Salut ! Je faisais que passer. Salut les filles. Non, je suis plus dans la bonne direction. Non. Attention, c'est Batman. Putain. 230, putain. Oh, j'ai horreur de ce genre de choses. Par là, c'est bon. Il était en train de regarder un spectacle, Bruce a vu sortir et Putain, pourquoi à chaque fois que je pars dans la bonne direction, c'est plus ça? Non! Ah, il va me rendre fou ce truc.
C'est parti. J'ai l'impression que le truc me fait tourner en rond. Enfin, c'est même pas une impression, il me fait tourner en rond. Dégage. Batman a foutu le bordel dans ses plans. Ouais, je vais tenter par le métro. Il m'a quand même dit que c'était sous terre. Non ! C'est fermé. Je pense que c'est ça qu'il voulait DJ, ouais. Pas emprunter de métro, bien évidemment. Ce panneau est protégé par des protocoles de Tiger. Impossible de les déploiter sans avoir accès au programme de contrôle de Strange. Je te dis que c'est lui. C'est pas possible. Mais si, regarde bien. Il est grand, non ? Grand et beau. Cette affiche doit avoir plus de 100 ans. Comment ça peut être le même gars ? Et même si c'est lui, comment le pingouin l'a eu ? Je sais pas, mais je sais que c'est lui. Il a même un nom. Seul... Ah, Batman, il a bien foutu la merde, là. Batman est en chemin. Cool. J'ai toujours rêvé d'avoir une chance. Ah, j'y vais. Je passe la grille, j'y vais. C'est vrai. Batman l'a peut-être poussé à changer ses plans. Et alors ? Et alors ? Puis on amène ce machin au Joker. On l'active et on retourne voir Cobblepot en héros. Quoi ? Juste comme ça, on tue Batman. Eh ouais ? J'ai pas peur. Ce mec est rien. C'est un crâne. Il vaut que dalle. J'y vais comme un bourrin là, t'as vu ? Je m'en fous, je m'en fous, je tue tout le monde. Les balles, je m'en branle ! Tiens ! Ça fait mal quand même les balles. Tiens ! Ah ! Oh putain, coincé dans le décor ! Comme un barbare. Well done, Batman. Bien joué. Casse tout. Tiens, un niveau. Casse tout. Ça puisse y Encore. C'est bon, j'en ai fini avec ces C'était conneries. Le dernier brouilleur. Communication HS. Dans le musée maintenant. Succès déverrouillé. Il faut que je me retape tout dans l'autre sens. Are you serious? Non, je dois forcément pouvoir emprunter un métro. Tiens, là j'ai vu un truc. Alors déjà, il y a ça que j'ai vu. Haha. Trophée de l'homme mystère, ça c'est fait.
T'as un peu de temps de jeu ce week-end ou trop de devoirs familiales? J'ai pas de devoirs familiales, je travaille. C'est surtout ça, je travaille ce week-end. Ah, si je tourne en rond, par contre, ça va pas le faire. Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici, un moyen plus rapide, j'entends. Je vais pas devoir me retaper. Ok. Attends, ils auraient pu faire quand même une petite cinématique qui me permette de sortir direct du métro. Sans déconner. C'est retaper tout dans l'autre sens. D'où venais-je? D'où venais-je déjà? Ah putain. De là, j'imagine. Putain! Je retrouve plus mon chemin! Sérieux? Je retrouve plus mon chemin. Ouais, ça devait être par là. Je t'attends à l'église, non, je peux toujours chevalier pas. Noir. J'ai hâte de te prouver que je suis meilleur que toi. Je suis le plus beau. Bon merde. Je vais revenir sur mes pages, j'imagine que c'est la meilleure chose à faire. Oh non, putain, je suis de retour dans la salle. Les couilles, ce truc là. Non, c'était là. Bon, attention, j'ai aucun sens d'orientation, je te le rappelle. Ah! Le système de course casual, ça a bien 2 minutes aussi. Ok, ouais. On se casse. Mais qu'est-ce qui se passe en bas, bon sang? Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, Grazl. Je t'ai vu. C'était là. Défendre quelques fouilles, merde. C'est ici. C'est ici, par contre, qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Parce que c'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure, donc du coup, un peu de musique. Un peu de musique. Magnifique. Merci Grazl. Non mais voilà, ce serait pas un Ashram Alive s'il n'y avait pas du fail. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce stream Before Work. Il est largement l'heure pour moi de m'éclipser, d'aller bosser. Stream Before Work, tel est le principe. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Voilà, passez un très très bon week-end, ensoleillé si possible. On se retrouve lundi matin à partir de 9h pour un nouveau stream Before Work où on sera probablement encore sur du Batman. Entre 9 et 10h, lundi matin. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, passez une excellente journée, un excellent week-end, des bisous partout, à plus! Octorok, j'ai fait le truc original, c'est en tout début de stream. Maintenant il te reste plus qu'à regarder le replay. Je l'ai fait Octo, je l'ai fait. T'as pas joué Grazl. Je vais être à la bourre à cause de vous. Je vous embrasse, passez une excellente journée.
crois qu'il se fout de ta gueule, Octorok. Tu verras sur le replay, Octo. Passez un excellent week-end. À lundi.